c'est trop long que t'es serré dans tes pantalons. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Arthur, waouh, quelle allure! Tu trouves? C'est parce qu'on va jouer au cow-boy avec les copains et c'est moi qui vais faire le shérif. Eh ben, à cette vitesse, tu risques pas trop d'arriver à l'heure. Et si tu veux un conseil, évite les duels. C'est rapide, Stéphane. T'as trop de la chance. Je te nomme assistant du shérif. Assistant? Je vous présente Arthur, le shérif le plus mou de l'Ouest. C'est plus lui le shérif. Maintenant, le shérif, c'est moi. Hé, non! Ça, c'est mon étoile. Je l'ai eu à mon anniversaire. Allez, on va jouer. Le dernier arrivé fait le prisonnier. Allez! Attendez! C'est pas juste. Ouais! À l'attaque! Visage pas à la scalper. Wow, j'ai réussi à me libérer. Quoi? Un blanc mou du genou, comment toi être libre? Mais j'en sais rien du tout. Regardez, Arthur, il s'est transformé en guimauve. C'est trop génial. Je suis super mou. Hey, persan, toi, garde des filles visage pâle. Nous capturer les fugitifs. Ouais. Youhou. Allez. Ça chauffe dur. Ils ont enfermé Roberta dans la cabane et ils courent après Arthur. Waouh! Ils viennent vers nous maintenant! Fais-moi voir! Si toi, pas te débattre, toi, moi, souffrir! Oh. Hey. Hé, on est où? Il est en train de me filer entre les doigts! Salut les gars! Je vois rien. Super Arthur, comment t'as fait ça? Comme ça.
Je suis super doux. Là-bas. Tiens, t'inquiète le shérif si tu veux. Moi, je joue plus. Faut qu'on délivre Roberta. Quoi? Mais t'es dingue! Ils vont nous massacrer! On va les ruser. Allez-y, sautez! Personne! Ils se sont envolés ou quoi? Laissez-moi sortir! T'inquiète, Roberta, on va te libérer. Oh, merci! Merci, Arthur! J'ai bien cru que j'allais m'évanouir! Arthur, comment tu t'es ramolli? C'était vraiment trop délire! Ça, vous allez nous le payer cher! Qu'on les scalpe tout de suite! Tant que ça sert à moi, le shérif, il n'y aura pas de scalp! Et si ça vous pose un problème, on peut régler ça en duel! Ouais, d'accord! Un duel avec le plus grand mot des genoux de la Terre, samedi! Tu vas voir. Tu la vois celle-là? Aïe. C'est bon. Je te laisse partir, gros loup. Mais viens plus nous embêter maintenant. T'as compris? Ouais, ça va. De toute façon, j'avais plus envie de jouer. Allez, venez les gars, ça craint ici. Ouais. Hé, hey, Arthur, t'aurais pas besoin d'un assistant shérif. Dans la vie, faut pas se presser. On finit toujours par y arriver. Serré dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Fais-toi couper les cheveux. Vous savez ce qu'elle vous dit, la balayette, hein? Elle vous dit... Aïe! Balayette, 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 balayette. Allez, je pars. Un peu. T'as pas vu ta tignasse? Moi, je monte pas sur un skate avec toi. Tu peux peut-être me faire une queue de cheval? Des couettes? C'est pas la peine. Ces trucs-là, ça tient jamais. Oh, mais si, regarde! Huh?
Elle coupe la balayette. Hé, Ginny, j'ai la solution. Je vais skater avec les cheveux mouillés. C'est vrai, regarde, ils tiennent super bien. Alors là, pas question. Je ne couperai jamais mes cheveux. Puisque tu les trouves si bien, tes cheveux, t'as qu'à devenir mannequin. Oui, comme ça, tu pourras faire des pubs pour Yeti. Ah, en fait, Jimmy, tu ferais pas la méga descente avec moi? Bonjour monsieur, c'est pour une coupe. Oula, bon, je vois. Il va falloir qu'on utilise les grands moyens. Assieds-toi là, je reviens tout de suite. Les cheveux qui poussent. Hein? Oh? Vos cheveux? Eh ben ça, ça me décoiffe. Vos cheveux poussent. Ils poussent. Ça alors, c'est dingue. Il suffit que je dise pousse pour que... Ah! Oh, merci, jeune fille. Hein? Merci. Yo, je suis... Super cheveux en pétard! Incroyable! Toi aussi, tu pourrais, hein? Pousse! Ah! Et les amis, admirez la nouvelle coupe Mémère en roller de Flore! Trop moche, la coiffure de Flore! Waouh! Trop stylée, ta nouvelle coupe arc-en-ciel! Moi aussi, j'en veux une comme ça! Fais-moi un super look! Ah, moi aussi! Moi aussi! Moi aussi, Vanessa! Vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde! Vanessa, t'as rien perdu du tout. Donne-moi la main. Allez, monte. Si t'as les cheveux comme un Yeti, les coupe pas, c'est trop mimi. Mais quand
monter aux toilettes? Mais laisse pas tremper dans la cuvette. La plus rapide, quoique il y a aussi la rouge. Chut, tu vas te taire la pipelette. Jimmy, j'ai demandé le silence. Et tu sais, j'ai aussi remarqué que dans le premier virage, on dévie un peu. J'en peux plus de t'entendre, Mireille, mais tu vas la fermer, ta bouche, oui. Jimmy, tu me copieras 100 fois, je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe. Désolée, Jimmy, c'est ma faute, je le sais. Toi, tu m'adresses plus jamais la parole. Et toi, Igor, tu l'as remarqué, ce virage? Si tu le prends trop court, comme Lulu l'autre fois, tu risques de te faire... Mireille, tais-toi! Tu nous déconcentres! Puisque vous avez décidé de bavasser ce matin, sortez tous une feuille blanche! À cause d'elle, je me paye une punition et du coup, j'aurai même pas le temps d'aller au karting! Oui, et en plus, on a eu un contrôle surprise! Ouais, ça peut plus durer! Y'en a marre! C'est vrai, y'en a ras-le-bol de cette pipette maintenant! Hé les gars, je crois que j'ai la solution! Je suis désolée, c'est de ma faute! Je sais bien que je suis une pipette! Mireille, ça suffit! On veut plus t'entendre! Rentre chez toi! Allez, où tu vas aller? C'est pas ma faute. Je peux pas m'en empêcher, hein? Je sais que je parle trop, mais c'est pas ma faute. Je peux pas. Mais je rêve ou quoi? Pour faire une bonne mousse au chocolat, faire fondre le chocolat et monter les blancs en neige. J'ai le pouvoir d'écriture magique. Hé les copains, regardez mon pouvoir. Jimmy est le plus grand des farceurs. Igor a la morve bien pendue, Lucien est un sacré goinfre et Mireille est une vraie pipelette, c'est vrai. Hein? Oh.
si tu veux, je te fais ta punition en 2 minutes. Comme ça, tu pourras aller au karting. Et moi aussi, du coup. Je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe. Je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe. Je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe. Je ne dois pas interrompre le cours. Je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe. Je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe. Alors ? Alors, c'est d'accord. Tu peux venir avec nous. Hé, Mireille, alors, pour ma rédaction ? Et moi, tu pourras dicter mon exposé sur les tigres blancs ? Pas tous en même temps. Lucien, c'est quoi le sujet de ta rédaction ? Racontez vos vacances au bord de la mer. Mes vacances à la mer. Je suis partie avec mes parents, ma pelle et mon seau, et j'ai fait des châteaux de sable. Ensuite, j'ai demandé à maman de m'acheter une glace. Non, plutôt 2 glaces. Ça va chauffer, les gars ! Et avec ma numéro 4, je vous préviens, ça va doubler ! Super Biplette efface l'attaque de Lucien et file vitesse maximale dans la victoire. Eh oui, Super Biplette en lutte avec le tenant du titre. Mais tais-toi, Mireille. Aussi se négocie un virage serré. Tu vas te taire, hein? Regarde ce que t'as fait, t'en as mis partout. J'entends pas ce que tu dis. Regarde cette bagaille sur la piste. Yeah! Oh non! C'est moi qui ai fait ça? J'aurais mieux fait de me taire, encore une fois. Oh. Ouf. Au moins, j'ai perdu mon pouvoir. Igor? Ça va? Pas de panique, les gars. Je n'ai plus mon pouvoir. Fini les feuilles qui volent. On va pouvoir discuter tranquille, maintenant. Je plaisante, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis vraiment désolée. Et je vous promets d'être moins pipelette. Je vais m'entraîner dès maintenant. 1, 2, 3, silence. Ouf. On se refait une course, alors? Quand on est une super pipelette, on a 2 ennemis. Le silence et le gros scotch de ses amis. C'était juste pour te faire passer ton hockey, Eric. Mais c'est peine perdue avec toi. Aucune chance d'y arriver. On a perdu nos cartouches de jeu. On nous les a peut-être volées. Et si on crée un groupe d'agents secrets? Comme Dédé? Ah ouais, cool! On enquêterait sur la disparition de nos cartouches. Et en plus, j'ai...
toute une panoplie d'agents secrets chez moi. On tient notre homme. Je vais me mettre sur sa fréquence. On va écouter ce qu'il dit. Une de plus à te donner, patron. Rendez-vous à l'endroit habituel pour la livraison. Identification du patron. Si au moins il avait dit l'endroit du rendez-vous. Technique d'infiltration spéciale. Allô Dédé, ici le patron. Écoute, j'ai oublié là. C'est où le rendez-vous déjà? Rick, c'est quoi cette embrouille? Il l'a raccroché, j'ai l'impression qu'il m'a reconnu. Non, sans blague. Tu ferais mieux d'aller jouer ailleurs avec ta technique d'infiltration spéciale. Ouais, on veut pas d'un agent secret bidon qui a tout le temps le hoquet. Mais c'est pas ma faute à moi. Oh. Je fais tout ce que je peux pour essayer de retrouver leur jeu et... Oh, j'en ai marre de ce hoquet. Voilà ta mission. Va voir ailleurs si j'y suis. Vous me croyez pas? Vous allez voir. Waouh, trop délire. Rick, comment t'as fait ça? C'est grâce à mon super hoquet. Hé, hey, la voilà ma cartouche de jeu. Le voleur. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Le Toque Colosse Titanium. Je connais qu'une seule personne qui l'est. Sacha! Alors ce serait lui le patron? Waouh! Maintenant, faut absolument intercepter Sacha et récupérer les cartouches. Oh non! Ils vont nous réduire en bouillie! Pas de panique, les gars! Je m'occupe d'eux! Rick, tu sais quoi? T'es méga trop fort! Sacha, rends-nous tout de suite nos cartouches de jeu! C'est pas les vôtres, je les ai échangées, elles sont à moi! Tu les as échangées à Gros Loup et à Dédé, alors que tu sais qu'ils nous les ont volées! Hé, hey, t'es en train de m'accuser? On compte jusqu'à 3 et après on monte, ok? Eh ben montez, allez, je vous attends! Si jamais on monte, on va se faire casser la figure! Ah ouais? Bah c'est ce qu'on va voir! Attendez-moi une minute. Et voilà le travail. Je vais
vais vous réduire en bouillie, les microbes. On peut dire que t'as le hockey qui met KO. La prochaine fois, il réfléchira. Parole de ricoquet, les copains. Si les gens se moquent de trop, parce que tu fais des gros... Dis-leur de se méfier de ce hockey qui pourrait bien les mettre KO.